it in the back, diamond fangs in my grill. Brooklyn rim with my eyes sitting low. Never born here with me, got that smoke. Drop the bass, main the bass get lower. Radio say speed it up, I just go slower. Highlight. Hello le Beauty Squad, j'espère que vous allez toutes bien, tous et toutes bien. Alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une sorte de how to do it, donc comment le faire vous-même. Donc je vais vous expliquer comment installer ses cheveux, comment faire cette perruque. Donc ça serait une explication assez en détail, donc la vidéo je pense va être assez longue. Sinon à part ça, je vais aussi vous parler des mèches sexy hair, donc que je porte en ce moment. C'est une marque de cheveux qui m'a contactée pour m'envoyer ses cheveux. Et comment vous dire que je suis totalement amoureuse. Genre, like, for real. Alors, on regarde ensemble. Yee! Ah non! Des cheveux! Des cheveux! Hey! J'aime beaucoup leur texture lisse. Alors j'ai pris un paquet de 26, un paquet de 24 et un paquet de 22, ainsi qu'une closure de 16 pouces je crois, ou 18 pouces, je me souviens plus trop. De toute façon je vous réécrirai quelque part par là ou quelque part par là la composition de ma tête. Alors donc comme vous pouvez voir, ce sont des mèches qui sont de bonne qualité. Je peux coiffer et il n'y a rien dans ma main, même quand je coupe. Donc voilà, vraiment, c'est le top. Je les adore. Je suis totalement in love de ces mèches. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu de sourire depuis tout à l'heure. Donc voilà, j'allais aimer la vidéo. J'ai pris énormément de temps à le faire. Même sur Snap, vous aurez pu peut-être voir les snaps que j'ai fait. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous aimez surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner. Et puis merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens. Je vous fais des gros bisous et je vous aime trop, la Beauty Squad. Alors là les filles, je vous montre les mèches comme je vous disais de Sexy Hair. Donc là il y a les trois paquets dont je vous parlais tout à l'heure. Alors comme vous pouvez le voir, les mèches sont vraiment vraiment d'excellente qualité. On voit comment ça brille, ça s'en mêle même pas alors que je fais pas spécialement attention à comment je les pose. Non mais s'il te plaît, t'es mal la brillance. Non, on flick, vraiment rien à dire sur ces mèches là, vraiment elles sont super. Alors voilà ma frontale que j'ai déjà customisée. Alors ce que vous allez faire les filles, c'est que vous allez commencer par coudre votre frontale sur le bonnet que vous allez déjà préalablement poser sur votre tête. Donc désolée, là je parle un peu un bon français pour que vous compreniez bien, je veux dire. Donc je couds tout autour de la frontale, juste à l'arrière. Vous ne cousez pas l'avant de la frontale, c'est-à-dire là où il y a les baby hairs, il n'y a pas besoin. Là donc, je viens prendre mes mèches que je vais désemballer. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, je vais prendre une parcelle de la mèche et je vais commencer d'un bout à l'autre de ma frontale. C'est-à-dire du côté gauche de votre oreille au côté droit de votre autre oreille. Donc voilà, je fais vraiment le tour. Le plus bas possible au niveau du bonnet. Et là, du coup, je vais coudre. Ensuite, je vais venir faire la même chose, du coup, sur toute la partie restante de la perruque jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de tout en haut, juste tout près de la frontale. Comme vous voyez là, à cet instant même, je fais vraiment très attention à rapprocher au maximum le bord de mon tissage avec le bord de ma frontale pour que vraiment on ne voit aucune démarcation. Là, je vais venir faire la même chose encore une fois. Passer d'un côté à un autre comme ça, c'est ce que vous devez faire. Il y a certaines personnes qui coupent leur tissage, mais moi, j'avais absolument pas envie de couper mon tissage. Donc, il suffit de bien serrer aux extrémités pour que ça fasse un effet le plus plat possible. Là, je suis arrivée
en haut de la perruque. Donc là, une fois de plus, je vais rapprocher mon tissage le plus possible de ma lace frontale, vraiment pour que ça ne fasse aucune démarcation. Donc là, vous allez voir comment je procède et serrez bien surtout aussi. Là, je repasse une dernière fois sur la même ligne pour bien serrer ça, que ce soit serré au maximum. Une fois que ça c'est fait, je vais venir couper ma lace frontale. Donc tout autour là où j'ai fait les baby hairs, en faisant bien attention à ne pas les couper bien sûr. Ensuite, je vais me munir d'un sèche-cheveux et d'une brosse pour les brushings et je vais venir bien brushinger le haut de ma perruque pour que ça fasse un peu de volume et aussi l'arrière sans oublier de le faire bien des deux côtés. Ensuite, on coiffe, on replace bien la frontale avec les baby hairs. Et you slay, girl. Let's slay.